Monsieur Aimé m'a dit que votre panier de pique-nique était préparé. Tous ces sandwichs et ces tartes, vos jeunes filles pourraient bien les payer à tour de rôle. Ce n'était pas aussi intéressé. Les sandwichs sont succulents. Pourquoi ne mangez-vous que des gâteaux? Mais laisse-le donc, c'est son goût. Acquérir à la mère. L'aurore de jeunesse dont s'empourprait encore le visage de ces jeunes filles illuminait tout devant elles. Il est si court ce matin radieux qu'on en vient à n'aimer que les très jeunes filles. Il faut que je vous montre la lettre que Gisèle m'a écrite ce matin. Je l'ai là et je l'oubliais, je suis folle. Elle nous envoie la composition qu'elle a eue à son examen. Je vous dis le sujet qu'elle a choisi. Sophocle écrit des enfers à Racine pour le consoler de l'insuccès d'Athalie. Mon Dieu, la pauvre fille. Il y avait dans le gazouillis de ces jeunes filles des notes que les femmes n'ont plus. Mon cher ami, excusez-moi de vous écrire. Titine. Dès l'entrée en matière. Couchée entre ces jeunes filles, la plénitude de ce que j'éprouvais débordait en flots de bonheur. Sans que j'eusse pu dire laquelle me rendait ces lieux si précieux, laquelle j'aurais le plus envie d'aimer. Qu'est-ce qu'il y a, un crayon? Et un papier? Pardon. Mes petites bonnes femmes, je vous défends de regarder ce que j'écris. Faites attention qu'on ne voit pas. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Je me dis que c'était avec Albertine que j'aurais mon roman. Vous devriez toujours porter les cheveux un peu tombants. Une bonne manière de savoir la vérité était d'envoyer Aimé passer quelques jours dans le voisinage de la ville de Madame Bontemps. Pour l'heure, monsieur, d'une petite blanchisseuse de la ville, j'ai seulement appris que Mademoiselle A avait une manière particulière de lui serrer le bras. Mais, m'a-t-elle dit, cette demoiselle ne m'a jamais fait autre chose. Pour faire parler la petite blanchisseuse, je l'ai emmenée dîner, je l'ai fait boire. Alors elle m'a raconté que Mademoiselle Albertine la rencontrait souvent au bord de la mer. Elle se baignait et elle restait dans l'herbe à se sécher, à se caresser, à se chatouiller. En voyant Mademoiselle A qui se frottait toujours contre elle dans son peignoir, elle le lui avait fait enlever et elle lui faisait des caresses avec sa langue le long du cou, des bras, même sur la plante des pieds. Elle ne m'a rien dit de plus. Voulant faire le possible pour vous faire plaisir, j'ai emmené coucher avec moi la petite blanchisseuse. Elle m'a demandé si je voulais qu'elle me fît ce qu'elle faisait à Mademoiselle Albertine, celle-ci ôtait son costume de bain. Et elle m'a dit, si vous aviez vu comme elle frétillait, cette demoiselle, elle me disait, ah, tu me mets aux anges. Et elle était si énervée qu'elle ne pouvait s'empêcher de me mordre. Tu me mets aux anges. Tu me mets aux anges. Je voyais Albertine recomposée à côté de la blanchisseuse et de ses amis, le groupe des amis d'Albertine à Balbec que j'avais tant aimé. Si j'avais été un amateur sensible à la seule beauté, j'aurais reconnu que le récit d'Aimé me présentait une vision mille fois plus belle. On eût dit que les signes qui devaient ce jour-là me tirer de mon découragement avaient à cœur de se multiplier. La serviette avait précisément le même genre de raideur et d'empesée que celle du grand hôtel de Balbec. Et devant cette bibliothèque de l'hôtel de Guermantes, elle déployait le plumage d'un océan vert et bleu, comme la queue d'un paon. Quelle était la cause de cette félicité que je venais de ressentir? Ces diverses impressions bienheureuses avaient entre elles ceci de commun que je les éprouvais à la fois dans le moment actuel et dans un moment éloigné. Ce que l'être par trois et quatre fois ressuscité en moi venait de goûter,
C'était bien des fragments d'existence soustraits au temps. Seul cet être-là avait le pouvoir de me faire retrouver les jours anciens, le temps perdu. À quoi les efforts de ma mémoire et mon intelligence échouaient toujours. Aujourd'hui, dans la bibliothèque des Guermantes, je comprenais que tous ces matériaux de l'œuvre littéraire que j'allais entreprendre enfin, c'était ma vie passée. Ils étaient venus à moi dans les plaisirs frivoles, dans la paresse, dans la tendresse, dans la douleur, et emmagasinés par moi sans que je devine leur destination.